Beurre FM. Un jeûne d'amour. Ali Habibi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La belle famille. La belle famille est source de nombreux problèmes dans le couple. En tant que conseiller conjugal, il m'arrive souvent, parfois trop souvent, de voir des couples qui se déchirent à cause de mauvaises interprétations qu'ils peuvent avoir d'actions, d'agissements, de paroles, de la belle-mère, de la belle-sœur, du beau-frère, du beau-père. Ce qui crée une distance dans le couple. Pendant ce mois de Ramadan, à vous de changer la donne. Vous pouvez changer les choses. Vous avez les moyens, le potentiel et la faisabilité avec la bénédiction de ce mois de réussir ce qui vous paraît impossible. Vous pouvez renouer avec votre belle-mère. Vous pouvez renouer avec votre beau-père, avec votre belle-sœur, avec votre beau-frère. Et qu'y a-t-il de meilleur qu'une rupture pendant le mois du Ramadan pour réunir sa famille, pour réunir sa belle famille? Cette belle famille où certaines interprétations peuvent faire croire qu'elle ne vous aime pas, qu'elle vous juge. Mais la plupart du temps, la maman ou le papa veut juste protéger son enfant. Et la séparation peut être douloureuse. Profitez de ce moment pour pouvoir vous réunir. Profitez de ce moment pour pouvoir faire la paix. Cette paix tant attendue. Cette paix que vous dites tous et toutes quand vous saluez une personne en disant assalamu alaikum. Faites la paix avec votre belle-mère. Faites la paix avec votre beau-frère. Faites la paix avec votre beau-père. Avec votre belle-sœur. Et profitez de la bénédiction de ce mois pour faire le premier pas. N'attendez pas de l'autre qu'il le fasse, faites-le vous-même et vous serez grandement non seulement récompensé dans cette vie-là et dans l'autre, Inch'Allah Ta'ala. Donc faites ce pas pour Dieu, faites cet effort pour Dieu et faites-le pour votre femme, faites-le pour votre mari. Car cette belle famille avec qui vous avez parfois des frictions est et sera toujours la famille de celui ou de celle que vous aimez. Alors ne serait-ce que pour cet amour qui vous lie, ne serait-ce que pour toutes ces choses que vous vivez avec votre conjoint ou avec votre conjointe, faites ce pas. Faites-le vraiment. Vous verrez non seulement la bénédiction de Dieu dans cette vie et dans l'autre, mais vous verrez surtout votre conjoint et votre conjointe être grandement reconnaissants, car ils ne s'y attendront pas, car ils penseront que c'est pas possible, que ça ne peut pas se faire, que cette paix est inaccessible. Prouvez-leur le contraire. Et prouvez-leur que Dieu peut tout faire. À partir du moment où vous voulez la chose, demandez-la. Faites les causes nécessaires et vous verrez beaucoup de choses se faciliter. Aimez-vous et aimez ce que l'autre aime. Et la belle famille sera toujours le premier amour et l'amour tout court de votre femme ou de votre mari. Jeûnons pour Dieu, jeûnons à deux, jeûnons en famille. Ramadan binatna, Ramadan binatna. Beurre FM, le Ramadan avec vous.